Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Je trouvais que c'était bien parce que on avait des joueurs du DFCO qui venaient pour nous coacher et que c'était bien parce que on a fait des matchs, on a fait un petit peu de tout et on a fait des 1v1. Et je trouvais que c'était bien. Alors messieurs, vos impressions sur cette journée? Je laisse l'honneur à mon jeune frère. Et... franchement top, hein, top. On a déjà participé à l'installation ce matin avec une belle équipe du DFCO. Du coup, tout a été carré, tout est mis en place. Donc ça permet aux enfants de profiter derrière, surtout l'après-midi. Donc c'est vraiment top. On voit qu'ils ont des étoiles plein les yeux, que tout le monde prend du plaisir. Et c'était ça vraiment le plus important pour nous. Ben voilà, ce qu'ils disent, comme il a dit Mourad, de voir les gamins s'épanouir autant, c'est ça le but de cette journée. Et c'est extraordinaire, on n'a jamais autant reçu de gamins sur le site du stade Gilbert Rude. On en profite pour remercier le DFCO d'avoir choisi le CF Talent. Et puis toute l'équipe autour, bon, je vais en citer certains, Aurélien Gaudriot, Hélène pour l'accompagnement, Cédric Cotteret pour la mise en place. Et vraiment nos éducateurs, salariés, bénévoles, nos bénévoles aussi autour de la buvette. Le président du club, la mairie de Talent, qui ont permis que cette organisation se mette et ça se met en place. Mais vraiment, tout le monde, il y a. Là, c'est les joies du football, les joies du sport, c'est ça qu'on recherche.